Alléluia. On t'a traité de fini. On t'a traité de maudit. Alléluia. Mais je veux te dire, lève-toi. Lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Le 3. On y va. Alléluia. Volume du CD, s'il vous plaît. Baissez un peu ce micro. Amen, amen. Si tu es dans la joie, acclame encore pour le Seigneur Jésus.
Alors nous allons poursuivre. Si quelqu'un avait déjà noté l'ordre des passages, il va déjà se rendre compte que nous sommes en train de rentrer déjà en plein milieu de notre manifestation. Et la personne qui a voulu bien que cette manifestation a lieu, c'est vrai que c'est le Seigneur Jésus, mais passé par un homme, par une femme, elle a voulu que son apparition se fasse en deux phases. Donc il y a une première phase qui se fait après la prestation des premiers artistes et une dernière phase qui se fera après la prestation des derniers artistes, on peut le qualifier ainsi. C'est pour cela quand j'ai dit Nzambi Bubweo, Yorani Nzambi Bubweo. Est-ce que vous pouvez savoir de qui il s'agit? Il s'agit du texte original. Alléluia! Est-ce que nous pouvons nous lever pour accueillir Maman Francisca? Alléluia! Elle m'a dit, je ne veux pas te dire par où je vais rentrer. Donc nous allons être tous surpris de par où elle va apparaître. Alléluia! Parce que j'ai envoyé des messagers, elle me dit non, je ne te dis pas par où je viens. Alléluia! Acclamons encore puissamment pour le Seigneur Jésus. Parce que nous allons recevoir sa servante. Elle va arriver, mais je vous assure que elle a pris ce qui est de meilleur en elle pour le communiquer à Dieu aujourd'hui. Et comme toi et moi, nous sommes témoins de ce qu'elle va vraiment produire. Et c'est pour cela que nous pouvons déjà pousser des cris de joie. Parce que la bénédiction est déjà là. La bénédiction est déjà là. La gloire de Dieu est déjà là. La puissance de Dieu est déjà là. Au travers de sa servante. Au travers de sa servante. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. Vous pouvez m'indiquer de là où elle se trouve, au moins, même si ce n'est pas un secret, pour que j'aille au moins lui donner le micro, parce qu'elle voudra peut-être... Elle a besoin d'un micro. Ah, d'accord. Mais j'ai fini par savoir par où elle vient, malheureusement. Acclamons encore pour Jésus. Jésus est, à Jésus est, à Jésus est, à Jésus est.
Jésus a fait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, dans ta vie. Ulrich. On acclame le roi des rois. On est venu voir le roi des rois qui fait des actions étranges dans la vie d'une personne étrange ce soir. Alléluia. Yahi mon anié, il a menti. Yahi mon anié, mon anié. Yahi mon anié, manzembi yashi. Yayi mon anié, bas œuvre, bas Jésus. Me berout soluku, zembi abime mon yande yo. Me be ma beta, de nabougi me yo. Me bangwa ma papa. Alléluia. Yayi mon anié, mon anié. Yayi mon anié. C'est mon histoire avec Jésus. Car il m'a sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Écoutons-la. Alléluia. Hey. Mébé, mélé, les mazemi, achimoumé. Ah.
Mais sous la témoignage, je lis ma toi. Pas de bon, tu peux gagner, oui, mon Manzambi, haché mon grâce, mon sista. Aïe, on zambi, boubouè. Sous la témoignage, je lis ma toi. Pas de bon, tu peux gagner, oui, mon Yeah.
Mes bien-aimés, moi j'ai vu sa main. Je l'ai vu me retirer de la tombe. Je l'ai vu me retirer de la mort. Laissez-moi le louer, car il est puissant. Il est souverain de m'élever. Il mérite la louange. Bien-aimés, ça se vit. Ça ne se raconte pas. Je voudrais faire un tour en arrière avant le 22 mai. Ma grande sœur, que je vous disais qu'elle était en train de pleurer, à l'hôpital, elle m'a fait une révélation. Disant que pendant un mois, elle faisait des rêves sur les incendies et les accidents de circulation. Un peu en arrière, en avril, j'avais été invitée à Mwanda pour un mariage. À la veille, quelques heures même du départ, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Depuis le matin, je n'avais pas pensé à frire le poisson pour le voyage. Mais voici, je me lève, je dis, je m'en vais déjà frire le poisson. Ma grande sœur me dit, non, on va aller acheter la nourriture au marché qu'on va manger dans le train. J'ai dit, non, je vais frire le poisson. J'avais déjà fait ce témoignage ici. Parce que ça a commencé par là. Lorsque je vais frire le poisson, vous voyez, quand le poisson en ébullition, ça prend la forme dorée, il faut retourner sur la gazinière. Toute l'huile se renverse sur moi. Sur le visage, la poitrine, le bras droit. J'ai seulement crié, Jésus, protège-moi. Je suis sortie de là, indemne. J'avais témoigné ici. Une semaine après, on m'appelle pour dire que le dernier, notre Benjamin, le dernier enfant de papa, venait de faire un malaise. Il est décédé, Seigneur. Quelques semaines après l'enterrement de notre Benjamin, mon papa disparaît 5 jours dans la forêt, le 28 avril. Le 29 avril, ma première fille, paralysée, ne peut plus manger, ne peut plus parler, ni se relever, se retrouve à Amissa. On la renvoie de là-bas pour l'hôpital des Chinois à Franceville. Le premier, on retrouve mon père, qui errait dans la forêt pendant 5 jours. Le même premier, ma fille sort de l'hôpital. Le 3 mai, on m'appelle un samedi matin, 3 mai. Mon petit frère a fait un AVC. Le 19, nous arrivons maintenant au jour où je prends la décision d'accompagner la servante de l'Éternel. J'étais déjà sortie du bureau du pasteur. À la salle d'attente, elle me demande si mon fils m'avait appelé, c'est-à-dire son fils dont la femme avait fait des jumelles. Je lui dis non. Et elle me dit non, voilà, elle a accouché, je dois aller là-bas. Et tout de suite, dans mon esprit, éprise de compassion, j'ai manifesté le désir de l'accompagner. À cœur joie, parce que c'est ça, c'est ma sœur, c'est ce qu'on doit se faire entre frères et sœurs en Christ. Il n'y avait pas de contrainte, elle ne m'avait pas obligée, et je suis partie sans dire à personne. Je n'ai dit au revoir ni à mes enfants, ni à ma mère. C'était comme un appel. Je me suis levée et je suis partie. Mais bien avant ça, une semaine avant, un vendredi, j'arrive.
Je rentre dans la concession de l'église et je vois la voiture de maman Yembi. Et puis tout de suite, je dis, je m'en vais d'abord rendre visite aux servantes de l'Éternel. J'arrive, je les trouve. Elles étaient prêtes à rentrer. Bonjour maman, bonjour les mamans. Ça va, Francisca? Ça va. Ah, c'est comment? J'ai dit non, j'ai besoin de révision. Elles se sont regardées. Tu as un problème? J'ai dit non. Juste une mise en jour, comme le téléphone. Bon, on te donne un travail de 3 jours. Je suis partie, j'ai fait ce travail. Lundi, je reviens. 1 Corinthiens 2:9. Alléluia. En fait, tout ce qui se passe là, Dieu avait déjà préparé ça. C'est que l'homme n'a les yeux ni les oreilles n'ont jamais vu ni attendu. Au sorti de ce travail, bien-aimé, le Seigneur me parle de Jacques, avoir le langage de Jésus. Dans cette épreuve, si tu n'as pas le langage de Jésus, tu sombres. Le langage de la foi. Savoir comment écouter, comment faire la transformation de ce que tu reçois. Dans ce travail, j'ai reçu Michée 7 à 10. Et maman Yembi disait, ma fille, ça, c'est un message de quelqu'un qui doit tenir ferme, quel que soit ce qui va t'arriver. Est-ce qu'on était déjà au 22? Non. Mais Dieu, qui me connaît, qui est mon ami fidèle, je ne sais pas comment tu appelles ton Dieu. Moi, je l'appelle mon ami fidèle. Je l'appelle le Dieu de ma louange, qui ne s'était point jamais à mon sujet. Je l'appelle Nzembiamé. Je l'appelle Tsongamé. Quand j'appelle Tsongamé, il sait que là, c'est grâce Francisca qui m'appelle. Quand je dis Dieu de ma louange intervient, oh, il laisse tout ce qu'il faisait. Il dit, là, grâce Francisca est en train de m'appeler. Mais je ne sais pas comment tu appelles ton Dieu quand tu es éprouvé. Tu l'appelles Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac. Il n'est pas ton Dieu. Et Michel me disait, pour moi, je regarderai toujours vers toi. Même si je suis assise dans les ténèbres, tu seras ma lumière. N'est-il pas ma lumière en ce moment? N'est-il pas ma lumière en ce moment? Est-ce qu'il avait menti? J'aurais pu dire ce jour, mais Seigneur, tu m'avais dit. J'aurais pu dire que, mais tu as dit que. Mais je n'ai rien dit. Il ne m'a pas donné des raisons de me plaindre de son amour, de sa grandeur, de sa souveraineté. Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Je ne sais pas par quel moment tu passes. Et nous nous sommes retrouvés dans ce bus. Évidemment, maman Dada a pris position du bus. Elle a prié. Elle a exhorté tous les passagers à avoir confiance au Seigneur. Parce que c'était lui notre conducteur. Je n'ai pas vu l'accident arriver. Je n'ai même pas vu ce gros camion dont on parle. Et quelques minutes, Bénédicte Aura, qui est là, présente, pourra me témoigner. Karine, ma fille de Nazareth, pourra me témoigner. Je ne sais pas si tous ceux qui lisent mes statuts, quelques heures, quelques... Je ne sais pas si ce sont les heures ou les minutes, j'avais posté Romains 8, 38, 39, où je disais, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, etc. Vous connaissez. J'ai posté aussi Michée 7, 7, 10, quelques minutes seulement avant l'accident. Est-ce que
J'avais imaginé que cela devait arriver. Non. Mais j'avais ma confiance au Seigneur. C'est alors, j'ai entendu seulement des cris. Et moi aussi, comme quelqu'un qui sortait d'un sommeil, je me réveille, je vois, je suis assise, j'ai marre de sang sur mes cuisses. Et je pousse deux cris de détresse, pensant que quelqu'un dans le taxi avait perdu un membre et que c'était tombé sur moi. En fait, j'étais prise de peur de recevoir le membre de quelqu'un. Et les trois autres qui étaient à côté de moi m'ont dit, « Maman, ne crie pas, descends. » Tout bonnement, je me suis levée parce que je ne comprenais même pas pourquoi on me disait « Descends. » Je suis descendue. Ils ont seulement fait leurs pieds comme ça. Je suis descendue. Quand je descends, je marche, je vois le robinet qui m'accompagne, le robinet de sang. Vraiment, j'ai perdu beaucoup de sang. Je me rends compte que c'est moi-même qui est en train de pisser le sang. Et tout de suite, je sens une réaction au bras gauche. Je garde mon calme. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. Même si tu vois la machette venir devant toi, parce que ton Jésus est là pour te secourir. Je suis restée là. J'ai pris ma main droite. J'ai mis au cœur. J'ai dit, Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle deux fois. Tout de suite, j'entends maman Dada qui vient. Je ne l'ai même pas vu venir m'attraper. Mais j'ai seulement entendu, ma fille va mourir à cause de l'amour. Je me suis retournée. J'ai dit, maman, qui va mourir? Tout le monde me regarde. Je crois que les passagers de ce bus sont en train de me regarder. Ils pourront passer peut-être à la RTL ou bien sur les Facebook dire que ce que la dame dit, c'est faux. Maman Dada elle-même, elle est là. Je l'ai regardée. J'ai dit, maman, qui va mourir? Elle était dans tous les sens. S'il y a quelqu'un qui devait se faire écraser, c'est elle. Parce que j'ai vu, aperçu au loin où elle s'est mise devant un véhicule qui partait à Bitam. Papa, papa, ma fille, en secours! Je lui dis, maman, reviens. Dieu va nous envoyer un véhicule. Maman Dada est là. Maman, lève-toi, s'il te plaît. Si je mens, tu dis, oh, ma fille, c'était comme ça. Elle a crié, elle a pleuré. Oh, l'amour, oh, l'amour, c'est comme ça. L'amour, oh, l'amour, c'est comme ça. Ma fille va mourir à cause de l'amour. J'ai dit, maman, arrête. Personne ne va mourir, je suis debout. Après, je ne m'occupais plus d'elle. Tout de suite, vraiment en une fraction de seconde, j'ai vu ma petite vie là défiler de ma naissance jusqu'à ce jour, tous mes petits projets, histoire que le Seigneur me disait, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et après, j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui. Vraiment, je suis prête. Si tu penses que c'est aujourd'hui, que au moment où j'ai voulu dire que ta volonté soit faite, en une fraction de seconde, il m'a montré un autre film, le film du pasteur, lorsqu'il témoignait quand il était revenu de Paris dans l'avion, où le Saint-Esprit lui disait, regarde en bas, regarde à gauche, regarde à droite, s'il y a quelque chose là, tu fais comment? Il a dit, je n'ai que ta volonté. Et le Saint-Esprit a dit, fais ma volonté. Et quand je sors de ce film, je lui dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Bien-aimé, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Est-ce que c'est parce que le juste a péché? Est-ce que c'est parce que le juste, je ne sais pas, est tordu? Non, mais parce que parfois il veut montrer sa grandeur aux yeux de ceux-là qui sont incrédules, qui doutent encore de
des merveilles de Jésus-Christ. Et lorsque j'ai dit que ta volonté soit faite, je suis rentrée avec mon ami fidèle en disant, Jésus est mon ami fidèle. Jésus est mon ami fidèle. Alléluia, Jésus est mon ami fidèle. Il veille sur sa parole fidèle. On chante ensemble. Parce que ce chant m'a accompagné dans cette épreuve. J'ai vu la fidélité de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai vu la fidélité de Jésus-Christ pour ma famille. Parce que ma famille serait aujourd'hui dans le désarroi. Perdre deux personnes en l'espace d'un mois. Mais Jésus a dit non. Non. Vous savez, mon cadet qui est décédé est né le 18 août. Moi aussi, je suis né le 18 août. Est-ce qu'on s'était entendu? Jésus est mon ami. Et Jésus est mon ami fidèle. Alléluia. Jésus est mon ami fidèle. Il veille sur sa parole fidèle. Devant moi. Et j'entends une dame qui dit, cette dame a besoin d'aide. On m'a soulevé, on m'a mis dans l'ambulance. Avant que je ne monte, j'ai ce cri, maman dada, viens, l'ambulance arrive, prends nos sacs. Pendant qu'elle partait chercher les sacs, on m'a déjà mis dans l'ambulance. L'ambulance a fait demi-tour, m'a amené à l'hôpital canadien. Lorsque maman dada vient, le chauffeur dit que maman, prends le taxi. Quand on arrive à l'hôpital canadien, alléluia, la gloire de Dieu. Les infirmiers qui avaient déjà fini leur service s'apprêtaient à partir. D'après ce qu'ils disaient, que mais ah, donc c'est la femme là qui nous retenait ici. L'ambulancier m'a fait descendre, on m'a mis sur le brancard. Ils sont partis, comme l'éclair, je suis restée avec les infirmiers et un major. Et j'étais là. Tout le monde venait avec le téléphone, ça filmait, ça prenait des vidéos, des photos. Et j'étais là avec ton gamin. C'est Sony, ton gamin. Ton gamin. C'est Sony, ton gamin. Et j'entends une dame qui me dit, tu n'as pas mal. Je dis, si, j'ai donné ma douleur à Jésus. Vraiment, avec tout le saignement là, on nous dit que tu as perdu le bras et tu chantes, tu es là, tu as le sourire. J'ai dit, vous voulez que je fasse quoi? Mon Dieu n'a pas changé.
C'est pas parce que je vais pleurer que le bras va revenir. Et j'ai continué avec un autre chant. Zembiwe bubwe. Zembiwe bubwe. Zembiwe bubwe. Zembiwe bubwe. Ya yula tatu ya ulilinga na wewe. Ya yula tatu ya ulilinga na wewe. Zembiwe bubwe. Zembiwe bubwe. Zembi ya yulu. Comme celle-là. Lorsque tu ne connais pas ton identité, lorsque tu ne connais pas à qui tu as mis ta confiance, c'est alors
que tu fais le papillonnage. Tu vas d'église en église, de prophète en prophète, de veillée de prière à veillée de prière, pour t'interroger qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, qui m'avait demandé, pourquoi j'ai voyagé. Mais de, jusqu'à ce jour, mes parents sont là dans la salle. Jamais, jamais j'ai regretté d'avoir effectué ce déplacement. Au contraire, je dis merci à Maman Dada parce que c'était un homme sur mon chemin. Alléluia! Il n'y a que des gens qui sont dans l'esprit qui peuvent comprendre ça. Maman Dada n'était qu'un homme sur mon chemin pour l'ouverture de la gloire de la seconde maison. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devient la principale de l'homme. Maman Dada, sois bénie et rapproche-toi davantage du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zembiwe Bubwe. Est-ce que tu peux dire que Dieu est bon? Je voudrais que tu élèves ta voix, que tu fasses monter une adoration vers le Seigneur pour lui dire: Seigneur, tu es bon. Même si tu ne l'élèves pour ce qu'il fait dans ta vie, mais élève-le pour ce qu'il a fait dans ma vie à moi. Élève-le. Élève ta voix. Bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. Parce que moi, je suis le choix de Jésus. Parce que les grandes épreuves, on ne les donne qu'aux grands. On ne les donne qu'aux grands. On ne les donne pas aux petits. Parce que le petit va s'écrouler. Il va aller se suicider. Comme Judas. Les grandes épreuves, on ne les donne qu'aux grands. C'est un de mes collègues qui me l'avait dit. L'année dernière, mon salaire avait été suspendu après le recensement biométrique. Et je venais au bureau, souriante. Tout le monde me demandait: ta situation a été résolue? Je dis: oui, Jésus est fidèle. Et un de mes collègues me dit: ah, maman, mais toi, tu es un carbard. J'ai dit: attendez, que je m'enroule par terre haut, que je crie haut, que j'aille dire que je n'ai plus de salaire haut, est-ce que là-bas ils vont rétablir? Non. Je sais que c'est mon salaire. Pour moi, je ne discute avec personne. C'est ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Alléluia. Et je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Et lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai remarqué que la robe que je portais, la chemise jean que je portais, le sac facteur que je portais n'était pas déchiré. Mais bizarrement, le bras a été broyé en pâte et les doigts découpés en petits dés. Ma fille est dans la salle, elle qui allait enterrer la pâte et les petits doigts là. Elle est là, elle s'élève. Ma deuxième fille, elle travaille à OIM. Et j'ai dit au major: s'il vous plaît, vous pouvez enlever mon sac, prendre mon téléphone et appeler le pasteur Fumu et son épouse. Appelez aussi ma fille. Je ne sais pas si ce sont eux qui avaient appelé la femme du pasteur ou c'est moi-même. Là, je ne me souviens plus. Mais je sais qu'ils ont sorti mon téléphone. Je leur ai demandé d'appeler aussi mon grand-père qui travaille dans le même hôpital. Après, j'ai appelé ma grande sœur. J'appelle, j'ai dit: Yaya. Elle dit: vous êtes déjà arrivé? J'ai dit: non, on a eu un accident de circulation. Elle dit: quoi? J'ai dit: oui, on a eu un accident de circulation et j'ai perdu mon avant-bras. Elle dit: c'est faux. Toi, tu es comment? Oh, oh, la fille, arrête ça. J'ai dit: oh, Yaya, c'est vrai? Elle dit: et puis tu dis ça comme ça? J'ai dit: oui, j'ai perdu
mon avant-bras, toute zèle. Elle me dit, non, 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 connecte-toi et montre. Je me suis connectée, j'ai lancé l'appel vidéo, elle a regardé. Elle a dit, oh. Après, on a arrêté le téléphone. C'est pas, la nouvelle est partie comme la fusée. La responsable ici présente, Rose Manchard, elle appelle. Ma fille dit, maman, responsable Rose, je te donne, je lui donne. Je prends, j'ai dit, bonjour ma chérie. Elle dit, oh, tu me dis bonjour ma chérie, c'est pas toi qui as fait l'extrait. Je dis, si. Oh, j'ai dit, ah, tu veux que je te dise quoi? Tu as eu l'accident? J'ai dit, oui, j'ai eu l'accident, j'ai perdu. Non, 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 Francisca. J'ai dit, maman Rose, Jésus n'a pas changé. Tu n'entends pas ma voix. Il a épargné ce qu'il y avait de meilleur, comme l'avait dit le pasteur. La voix est le souffle de vie. Alors, je pouvais parler librement au téléphone avec tous ceux-là qui appelaient. Mais ils étaient dans l'étonnement. Et quelque chose que j'ai appris pendant que la nouvelle partait, c'était de faire attention aux commentaires. Parce que lorsque l'information part, c'est bien. Mais le retour de l'information, l'accident ne t'a pas tué, mais le retour de l'information, si elle est tordue, elle te tue. Alléluia. Elle te tue. Que des commentaires. Mais je disais seulement, je rends gloire à Dieu. Je ne veux pas donner la gloire à quelqu'un qui ne la mérite pas. Ceux qui ont été décapités, comme Jean, ils sont pleins. Ils ont culpabilisé quelqu'un. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Daniel qui allait dans la fosse au lion, a-t-il culpabilisé quelqu'un? Attendez, maman Dada n'est pas ma soeur biologique. C'est ma soeur en Christ. Donc c'était pour le Seigneur. Je la connais à cause de Jésus. Et Jésus ne pouvait pas permettre que j'aille dans la tombe. Non. Si j'étais allée dans mes aventures, ou bien les amitiés, oui, mais je me suis déplacée à cause de Jésus. Zain bien, mais ce chant dit que j'ai été choisi par mon Dieu dans ma famille pour être une bénédiction de celle-ci. Le technicien. When he was solo man, I didn't be a man. When he was solo man, we were me moy, we were me luto. We solo man, we were me moy, we were me luto. We solo man, moi qui était un peu les femmes de mauvaise vie, tu m'as sauvé. Je veux t'adorer, te louer de tout mon cœur.
On acclame le roi des rois. Je veux vivre. Quelle que soit l'épreuve, je veux vivre avec toi, Seigneur. Je veux vivre rien que pour toi, Seigneur. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Il n'y a plus un coup qui dépasse celui-là. Moi, j'ai décidé de vivre rien que pour mon Jésus désormais. Pour toi, laisse que je sois toujours attaché à toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Yahweh. Oui, je veux vivre pour toi.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur Jésus? Après ce grand témoignage, acclamons puissamment Jésus. Lui seul est capable de faire ce que nous avons entendu. Alléluia. Assoyons-nous, s'il vous plaît. Donc nous venons d'entendre en long et en large le témoignage de Maman Francisca qui reviendra pour la fin de ce moment. Et nous poursuivons en appelant une personne qu'elle a nommée dans son témoignage. C'est Maman Annick Foumou. Si elle est dans la salle, elle peut se lever parce qu'elle aussi, elle a quelque chose à dire au Seigneur en fonction de cet événement que nous avons appris de la bouche de Maman Francisca. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus. C'est maman Dada qui m'appelle, elle est en train de pleurer. Elle m'appelle, maman, maman Francesca n'a plus de bras. Automatiquement, j'ai laissé la nourriture. Je sortais maintenant comme une folle. Après, mes enfants me disaient, mais pourquoi tu es toujours comme ça quand tu entends quelque chose, tu sors direct, reviens, regarde les habits que tu as. Je suis revenue. J'ai appelé papa. Vous savez que les pasteurs ont toujours des entretiens, beaucoup de personnes, ils parlaient encore. J'ai appelé à la sécurité, dit passe-moi le téléphone à mon mari. Je l'appelle, je dis là, on m'a appelé que maman Francisca a perdu le bras. Il a crié, oh. J'ai dit, moi je suis en train d'aller à l'hôpital, parce que je sais que tu ne vas pas vite venir là-bas. Il a dit, attends-moi, on va partir. Je l'ai attendu, il est venu. Quand on arrive à l'accueil, j'entendais les femmes là, qui parlaient enfant. Il y a Yéfa Branin. Je les ai demandé qui? La fille qu'on vient d'amener là, est-ce qu'elle va encore vivre? Donc, j'ai dit à papa, avance, parce que nous, on est facile à pleurer. Avance d'abord, je reste là. Il est parti. Quand papa est rentré dans la salle, j'étais avec maman Dada, elle m'expliquait comment l'accident s'est passé. Mais mon cœur n'était pas là, c'était dans la salle là-bas. Quand papa revient, il faisait ça. Je dis, ça y est, là je ne rentre plus là-bas. Là c'est déjà la mort. Mais j'entends les voix. Elle chantait là-bas. Je dis, oh, la personne qu'on a dit qui s'est fait le bras, non, moi je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il y a quelque chose qui s'est passé entre le regard. Quand je lui ai regardé, j'ai vu une joie. Alors que moi j'avais peur. Une joie qui m'a été contaminée.
Et je ne ressentais plus la peur. Et je suis sortie et j'ai regardé le bras. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Hein. On voit seulement les films à la télé. Mais aller voir ça, vivre, voir comme ça, je n'ai pas. J'étais dépassée. Et on était assises. Elle a continué à chanter malgré le médecin. Et puis, ce que j'ai vu dans ça, c'est qu'à l'hôpital canadien, là-bas, il y a toujours. On délaisse souvent les gens. Les gens partent mourir là-bas. Mais nous, tout le monde était touché dans la salle à s'occuper d'elle. Et ils s'occupaient d'elle. Et je suis allée m'asseoir dehors. Le sang, on essuyait le sang qui était partout. Et on attendait le chauffeur d'amener l'autre partie des bras. Quand on a amené l'autre partie, les doigts là, j'ai tremblé. Ça m'a fait mal. J'ai vu les doigts, nos doigts là qu'on a mis dans le sachet. Et on était en train de demander à papa, mon mari, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là où mon mari a dit, il faut demander à elle-même qu'est-ce qu'il faut faire des doigts. Et on a donné ça à son frère et son père, son oncle qui travaillait aussi là-bas. Et je suis rentrée à la maison et j'étais en train de prier, j'ai demandé à Dieu, mais c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Parce que chaque chose qui nous arrive tire un enseignement. Quand quelque chose t'arrive, il y a un enseignement qui tire. Que ce soit que tu as un deuil, il y a quelque chose qui va sortir de là. Et le Seigneur pouvait m'amener dans Job. Job avait tout perdu, mais il était intègre. C'est ça. Ma fille, elle est intègre au fond d'elle. C'est pour cela, le Saint-Esprit était là, était dans la salle. C'est pour à cause de son intégrité dans le Seigneur, je n'ai pas pu la ôter la vie. Donc, durant tout ça, là, moi, j'avais peur de l'appeler pour lui demander comment ça va, peut-être que quand on va appeler. Peut-être qu'elle va pleurer. Et le jour-là, je l'ai appelée quand elle était à l'hôpital militaire. Quand je l'appelle, c'est toujours la même joie qui me contamine dans l'oreille et qui descend en moi. Je dis, quoi? Quelqu'un a reçu une chose comme ça, moi, elle devait pleurer tous les jours. Mais elle ne pleure pas. Elle est toujours que dans cette joie. Et j'étais émerveillée. Et Dieu a dit, c'est pas ça qui va faire que je ne puisse pas la bénir. Je la bénirai. Tout ce qu'elle a perdu, je le rendrai. Au royaume, il n'y a pas de bras coupés. Au royaume, nous allons être tous là-bas. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que je voudrais chanter ce cantique. Comme Job a été persécuté, mais le cantique qui dit enfant, mais quand ils ont beau homme, Job avançait toujours, comme elle va toujours avancer dans le Seigneur. Alléluia. Akusa bomindumi ya signon. Akusa bomindumi ya signon Akusa bomindumi ya signon Akusa
De chacun de nous s'ouvre pour voir réellement le spirituel ce soir. Alléluia! Donc je disais que notre manifestation de ce jour a deux phases. Et la première phase venait de s'achever avec la prestation de Maman Francisca et nous étions là déjà en train d'ouvrir la deuxième phase avec ce témoignage de Maman Annick Fumo. Nous passons à la deuxième phase. La gloire de la deuxième maison est toujours plus grande. Alléluia! Parce qu'il y a des mamans dans la foi, de la louange et l'adoration. Alléluia! Voilà pourquoi, pour l'humilité de Maman Francisca, elle a voulu qu'elle fasse une première sortie et que les mamans dans la foi viennent après elle, même si elle reviendra après pour la clôture. Et c'est pour cela que nous avons une sœur dont le nom rime avec bénédiction. Est-ce que nous pouvons clamer pour la sœur Wora Bénédicte? Ovation spéciale pour la sœur Bénédicte Wora. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des alléluia dans la salle? Est-ce qu'on peut pousser des alléluia dans la salle? Est-ce qu'on peut pousser des alléluia dans la salle?
Est-ce qu'une âme vivante peut pousser un alléluia dans la salle? Est-ce qu'on peut ouvrir les écluses des cieux avec nos alléluia? Est-ce qu'on peut faire tomber la pluie au Seigneur avec nos alléluia? Est-ce qu'on peut crier alléluia? Est-ce qu'on peut briser les chaînes avec nos alléluia? Est-ce qu'on peut faire venir la guérison au Seigneur avec alléluia? Je réalise ton amour, ta bienveillance pour moi, et combien il est bon de t'appartenir. Je m'abandonne à toi, oh Dieu. Et les larmes qui coulent de mon cœur sont des larmes de joie, d'espoir et de reconnaissance, Yahweh. Mon âme chante tes bienfaits. Mon cœur est plein de ton amour. Et il exalte ta majesté. Mon esprit élève ton salon. Mon être est dans l'espérance de ton salut, de ton salut, de ton salut. Oh. Devant le trône de gloire, avec les quatre êtres vivants, je viens proclamer ta sainteté. Tu es saint, Seigneur. Devant le trône de grâce, avec les 24 vieillards, je me prosterne et jette ma couronne à tes pieds. Tu es couronné de gloire pour l'éternité. Tu es assis sur ton trône pour l'éternité. Hey! En toi, touche-nous fléchis pour l'éternité. Hey!
Yes, you are the Lord, most high.
le Seigneur. Le vainqueur de Golgotha. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je voudrais même dire à quelqu'un de ne même pas t'asseoir. Alléluia. Nous étions en train de dire que la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande. Alléluia. Quelqu'un, quand il est arrivé dans cette estrade, il a commencé à dire aux gens, un pas à gauche, un pas à droite, devant, je ne regarde plus. La maladie est... Alléluia. Cette personne est arrivée dans ces lieux, dans l'anonymat, dans la... Non, dis avec moi, dans l'anonymat. Il n'y a que Dieu pour révéler ce qui est caché. La personne a voulu se cacher, mais la gloire de Dieu est en train d'aller la chercher pour l'exposer. Elle s'appelle Maman Beth Zenger. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que toute la gloire revienne à Jésus. Et que sur cette estrade, nous nous effaçons. La chair et le sang s'effacent pour laisser la place à Jésus. Soyons tous bénis. Alléluia. Dis à ton frère que est-ce que tu sais que c'est grâce à Jésus que tu es ici? Alors acclame Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Monte, 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 monte. Emma. C'est grâce à Jésus.
chose. Confie-toi en lui, tu vivras pleinement. Là-bas, il est allé chercher pour toi à la croix. C'est grâce à Jésus qu'on appelle maman. C'est grâce à Jésus qu'on appelle épouse. C'est grâce à Jésus qu'on appelle la bien-aimée. C'est grâce à Jésus que la paix t'en recherchait. Changer mon identité du fumier à la table des grands et des ténèbres à la lumière, la véritable paix. Du célibat au mariage, la véritable du statut de stérile à féconde, la véritable paix. Oh, la véritable paix, la véritable paix. Oui, la véritable paix, la véritable paix. Non pas celle donnée par le monde, la véritable paix. C'est Jésus qui me l'a donnée, la véritable paix. Il a changé mon identité, la véritable paix. Du fumier à la table des grands et la véritable paix. Des ténèbres à la lumière, la véritable paix. Du célibat au mariage, la véritable du statut de stérile à féconde, la véritable je suis devenu enfant de Dieu. Oh, quelle joie a rempli mon cœur, la véritable paix. Reçois la paix, reçois la véritable paix. Reçois la véritable paix. Reçois la véritable paix. La paix non pas comme le monde la donne, mais la paix donnée par Jésus. Reçois, 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 reçois cette paix au nom de Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oh, alléluia. Il est fidèle, il ne change jamais. Jésus
Gloire à
Jésus. Amen. Les maladies ont fui depuis longtemps. Alléluia. Nous poursuivons notre course. Si tu es fatigué, prends un peu d'eau. Parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Alléluia. Il faut prendre un peu d'eau avec la sécurité, là, tu vas boire. Mettre un peu le carburant. La route est encore longue. Alléluia. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Alors nous poursuivons en appelant la sœur de celle qui vient de passer. Elle s'appelle... Il y a beaucoup de fleurs. Ouais, non, il y a beaucoup de fleurs. Mais il y a une belle fleur là que les gens aiment. Elle s'appelle Romancha. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. J'aime quand les gens sont calmes. Même si j'ai plus d'amis, toi tu es mon ami. Je sais que tu es là. Même si tout le monde m'abandonne, toi tu ne m'abandonnes pas, Yahweh. Je sais que tu es là. Même si je suis humilié, toi tu me relèves, Yahweh. Je sais que tu es là. Même si j'ai plus de bras, toi tu es mon soutien, Yahweh. Je sais que tu es là. C'est pourquoi je chante. Tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut, je sais que tu es là. Vous savez, qui a besoin de quelqu'un ce soir? Alléluia. Jésus a besoin de quelqu'un qui n'a pas encore bougé, qui est encore derrière là-bas. Alléluia. Je veux te rassurer ce soir que Jésus est là. Accepte-le ce soir. Tu n'es pas venu te distraire. Je suis venu écouter une parole. Après ces excellents témoignages, alléluia, dépose ton fardeau, dépose, donne ta vie à Jésus. Je te parle à toi, tu t'interroges encore là-bas. Je suis venu ce soir pour toi. Je connais la sœur Francesca. Depuis, nous étions encore quelque part à l'Alliance chrétienne. Je suis contente de voir Lydia qui est aujourd'hui là, qui m'a vu lorsque j'étais encore, elle est là, agite la main, elle est là. Elle m'a vu dans mes débuts et après j'ai abandonné. J'ai marché selon mes voies. Aujourd'hui je suis là par grâce. Aujourd'hui je suis là debout parce que Jésus m'a appelé, parce que Jésus a eu pitié de moi. Ce soir, Jésus a pitié de toi. Jésus te tend la main. Jésus est un amour pour toi. Jésus parle à un cœur ce soir. Le chant qui va suivre, je m'adresse à cette personne. Je m'adresse à cette personne. La Bible dit, si un seul est gagné à lui, le ciel est transformé. Le ciel est agité. Alléluia. Il s'agit de notre but ici. C'est notre but sur terre. Amener les âmes à Christ.
2, s'il vous plaît. Je suis un témoignage vivant. Je suis là pour te dire que Jésus donne la joie. Jésus sauve encore. Jésus transforme la vie. Jésus a coulé son sang pour toi. Pour toi. Même la sorcellerie, il est venu pour le sorcier. Il est venu pour celui-là qui est humilié. Il est venu pour celui-là qui pense que tout est fini pour lui. Ce soir, il s'agit de toi. Alléluia. Le temps d'écouter ces paroles. Ce chant, j'écoutais les anges chanter. Et le Seigneur m'a dit de venir te chanter ce chant. Le paradis n'est pas un mythe. Le paradis n'est pas un mythe. Mais pour le mériter, il faut faire un choix. Le seul choix, c'est Jésus. Le seul choix, c'est Jésus. Je t'ai vu peut-être danser, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le seul choix qui transforme les vies, c'est Jésus. L'amour véritable. Alléluia. Merci d'acclamer ce Jésus ce soir. Le volume, s'il vous plaît. Le 2. Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus qui est là? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jean 14, 6.
acclamer très fort ce Jésus. Il s'agit de lui ce soir. Alléluia. Je n'ai que toi. Si je vis, c'est toi. Tu es tout pour moi. Je n'ai que toi, Seigneur. One. Alléluia. Si tu n'as que celui-là, alors tu vas simplement lever ta main. Dire à ce Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Alléluia.
Je n'ai que toi. Dis ça à ton Dieu. Je n'ai que toi, Seigneur. Pour la situation que tu traverses, je n'ai que toi. Merci. Gloire à Jésus. Nous n'avons que lui comme maître sauveur, Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la présence de notre Dieu dans ces lieux? Alors, à l'entame de ce moment, nous avons donné la brochette des artistes qui devaient prester. Et il y a eu un nom que nous avons cité et que vous n'avez pas encore vu présentement sur cette estrade. Alléluia. Amen. Maman Francisca a voulu que l'honneur soit donné à cette sœur de prester avant elle, avant la clôture, avant que Maman Francisca ne prenne le micro pour revenir la deuxième fois. Et voilà pourquoi je voulais annoncer ici solennellement l'arrivée de notre sœur, Maryse de Sion. Acclamons encore plus à mon Jésus! Alléluia. Révérend Madame, soyez saluée. Merci de nous avoir invités ce soir. Toute l'Assemblée de Nazareth, soyez saluée. Comme je suis une mère qui a fait trop d'enfants, je refuse que mes enfants s'asseyent là-bas pour m'accompagner. C'est Bénédicte. C'est... Alléluia. Même vous aussi. Alléluia. Alléluia. L'âme de Jésus fut offerte en oblation pour le péché de toute l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, le pardon me fut accordé. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Quelqu'un a dit ce soir que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Mais la gloire de la grande maison a un prix. Nous ne parlons pas de gloire de bouche. Nous vivons la gloire. Amen. Maman Francisca, la première gloire, c'est une génération qui a chanté et qui a impacté par le chant. La deuxième gloire, nous impactons par notre vie parce que c'est plus nous qui vivons, mais Christ vit. Amen. Maman Bénédicte a dit que nous avons les marques de la guerre. Je parle des marques de du sacrifice. Quand Jésus est ressuscité, il a dit, regardez. Alléluia. Les marques de la mort. Fini le christianisme qui ne connaît pas la mort de la mort. Tout le monde dans le christianisme a des bâtons. Le temps est arrivé au Gabon que les bâtons fleurissent. La résurrection des bâtons. Le Saint-Esprit prend les bâtons. Personne ne respecte plus personne. On ne sait plus qui est le Père et qui est le Fils. Parce que même les fils sont les bâtons. Mais le temps est arrivé. Et ça a déjà commencé. Où Dieu prend les bâtons de tout le monde confondu et amène cela dans sa présence.
Le bâton qui va fleurir et porter du fruit, c'est le bâton de l'autorité. Amen. 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 Et je crois que le bâton, ton bâton, Dieu a mené ça dans la mort, dans le fond de la tombe. Les fils de Zébédée ont dit, Jésus, nous voulons régner de part et d'autre. Là, est-ce que vous pouvez supporter la coupe? Est-ce que vous pouvez accepter le baptême? Mon baptême. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de Saint-Esprit sans passer par la mort. Le Gabon a besoin des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des prophètes qui sont passés par la mort et que Dieu a ressuscité, qui ont une vie qui connaît la mort. La mort, la mort. Elle est un symbole de la mort. Quand elle vient, maman, tu as enfanté des fils. Mais nos fils ne nous respectent pas parce que tous sont des bâtons. Tout le monde fait les clips. Moi je parle des chanteurs. Tout le monde a un bâton. Parce qu'on fait les clips. Parce qu'on passe à la télévision. On passe à Hollywood. On passe à Benny TV. On a tous des bâtons. Mais le temps, nous sommes la génération. Que Dieu va amener les bâtons. Ça va fleurir. Moi je veux porter les bourgeons. Et l'autorité, tu n'auras pas besoin de dire obéissez. Ton bâton a fleuri. Les gens reconnaissent que tu es l'autorité. Amen. L'âme de Jésus fut offerte en oblation pour le péché de toute l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, le pardon me fut accordé. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon âme. Là aussi, j'ai pardonné. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le cas de ma propre résurrection. La preuve de son parfait sacrifice et l'approbation de son sang précieux. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli. Là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Allez leur dire qu'il a gagné, allez leur dire qu'il a gagné, qu'il a gagné, mon Dieu a gagné, il a gagné, je suis, il a gagné, mon Dieu, il a gagné, et avec toi l'évangile, il a gagné. Il a gagné, 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 il a g
Naturel de la mort, là où Dieu te brise, il dit saute si tu peux, change ça si tu peux. C'est moi qui fais, c'est moi qu'on doit, c'est moi. Là, il n'y a pas de problème, c'est toujours moi. Nous entrons dans la dimension là où Dieu a pris nos services et l'a amené dans la tente d'assignation pour que ça fleurisse et ça passe par ton corps. Jacob avait la marque du sacrifice. Jésus avait la marque du sacrifice. Tu as la marque du sacrifice. Yes. Si vous les chantez ici, vous dites à Maman Francisca, elle est déjà vieille. Est-ce que toi tu as la marque du sacrifice? La marque du sacrifice, ce n'est pas dans un clip vidéo. La marque du sacrifice, ce n'est pas dans la célébrité. La marque du sacrifice, c'est là où Dieu t'amène seul. Il va faire avec toi des choses qui dépassent l'entendement. Des choses qui te dépassent. Personne ne peut comprendre. Tu es seul. Tu n'as personne. Tu regardes devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Tu es bien. Seigneur. Amen. Joseph, pour être élevé, il est entré dans la prison de la maison de Potiphar, d'esclaves, de prisonniers. Après, Dieu l'a amené dans l'élévation. L'élévation. Amen. Vous parlez de... Tu es brisé. Tu es écrasé. Tu n'as pas touché le fond de la mer. Il n'y a personne que Dieu utilise dans son service à une dimension élevée qui n'a pas connu le fond, qui n'a pas connu le tombeau. Si tu ne connais pas le tombeau, et tu te plains parce que tu es en train d'aller dans le tombeau. Mais c'est dans le tombeau que Dieu fabrique les gloires. Et tu as une gloire. Amen. Tu as une gloire. Amen. Papa Nkoussi, quand je l'ai écouté parler, non, les gens pleurent pour avoir des gens de fidèles comme ça. Amen. Qui connaissent Dieu avec leur esprit. Amen. Ils ne connaissent pas Dieu qu'on enseigne. Ils ne connaissent pas Dieu par la doctrine. Ils ne connaissent pas Dieu parce qu'on m'a dit. Ils connaissent Dieu dans leur esprit. Tu connais Dieu. Alléluia. 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 La nation est là. Trop de chrétiens, trop d'églises. Mais rien ne se change. Parce que les gens connaissent Dieu dedans. Le jour que les Gabonais vont commencer à connaître Dieu par ici, les choses vont changer. Les choses vont bouger. Les démons vont trembler. Des hommes d'autorité. N'est une autorité que celui qui se soumet à une autorité. N'est une autorité que celui qui connaît l'autorité et qui se soumet à une autorité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, tu n'as pas une remplaçante, tu as une succession. Amen. Trop de ministères de remplacement. Les jeunes, vous voulez toujours remplacer, vous n'aimez pas succéder. C'est de plus. Les jeunes doivent succéder. Et celui qui succède doit connaître l'obéissance et la soumission. Amen. Alléluia. Et je suis contente ce soir. Parce que nous ne sommes pas déplacés tout ce temps que nous sommes pour des choses vaines. Nous n'avons pas fait un concert en plus. Nous avons fait un concert du royaume des cieux. Ce n'est pas l'argent qui nous a amenés ici. Non, on n'est pas venu à cause de l'argent. Alléluia. On est venu manifester, magnifier Dieu pour quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Job a dit, avant, j'avais entendu seulement parler de Dieu. Hey. Maintenant là. Amen.
Alléluia. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alléluia. Vanessa, voici la génération que vous devez suivre. Des femmes de feu. Nous ne sommes pas peut-être extraordinaires. On n'a pas peut-être des grosses voitures. Ce qu'on vous donne, nous ne pouvons pas, on ne veut pas vous donner les mariages ce soir. Nous n'allons pas vous donner les billets d'avion. On ne veut pas vous donner les voitures ce soir. Mais ce qu'on a, on vous le donne au nom de Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est ce que je vais donner. Alléluia. Désormais, alléluia. Lève-toi, fini que le Gabonais soit un bon chauffeur. Il n'est jamais chauffeur, il est toujours bon chauffeur. Mais le temps est arrivé où le Gabon doit entrer dans sa destinée prophétique. Et pas avec les hommes. Des hommes qui ont connu la mort, quand Jésus a ressuscité. Les hommes qui connaissent la résurrection. Tant que vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas parler de la résurrection. La résurrection, c'est pour toutes les personnes qui ont connu la mort et que Dieu a ressuscité. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. Alléluia. 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 Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Elle n'est pas facile. Difficile à comprendre. Nous te disons que nous voulons simplement ta volonté. Elle me fait pleurer. Est-ce que je la comprends? Nous te disons que nous voulons simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Merci
Merci, l'Assemblée de Nazareth. Merci, Papa Nguissi et son épouse, et le collège pastoral, et les anciens. Merci, merci, nous sommes, par ma voix, tous les chantres d'ici, vous dites merci. Merci, Francisca. Merci au Saint-Esprit. Merci beaucoup. Jésus. Alléluia. Acclamons encore plus seulement le Seigneur Jésus pour sa présence au milieu de nous. Et comme je le disais tantôt, que à cause de son humilité, Maman Francisca a voulu que ses aînés passent avant elle, du moins avant la clôture. Et comme l'une des aînées, celle qui s'est présentée comme étant la maman de toutes, parce qu'effectivement, elle est rentrée dans ce milieu de gospel avant beaucoup d'entre elles. Elle a fait une prestation mémorable. Mais pour ce faire, avant de partir, je voudrais encore une fois de plus appeler Maman Francisca. Voilà, qui s'est déplacée malheureusement. Elle me fait encore des tours. Ah là, d'accord, elle est là. Voilà, je voulais rappeler Maman Francisca parce que une fois de plus, elle a une prestation encore à faire. Parce que ce que Dieu a fait pour elle, elle a du mal à se défaire, de louer Dieu. Voilà, et elle veut continuer encore à louer Dieu, même si elle va le faire encore après. Mais pour aujourd'hui, elle veut encore le faire. Voilà pourquoi je voudrais une ovation spéciale. Des acclamations encore pour recevoir notre sœur. Son témoignage est poignant. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus pour épargner nos vies totalement de certaines circonstances. Et aujourd'hui, nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés. Il y en a qui, pour rien, abandonnent la maison du Seigneur. Mais nous voyons bien que ce que notre sœur a subi, beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à le subir et à continuer à suivre Jésus. Mais malgré cela, elle est là. Elle témoigne de son amour pour Jésus. C'est pour cela que je voudrais encore que nous acclamions encore Jésus. C'est tellement bon que nous voulons acclamer encore Jésus. Le socio. On les encourage. Ils ne sont pas prêts. Ok, ils vont intervenir demain, parce qu'il y en a qui habitent loin, on ne peut pas garder les gens jusqu'à 21h. Alléluia. Je pensais que tu allais te lever et acclamer le Seigneur, lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a commencé à faire dans ta vie et pour ce qu'il le fera. Ebangolekina. Et Satan a échoué. Oh, Satan a échoué.
n'avais pas fini le témoignage. Sur la table des urgences, j'ai continué à saigner. Les infirmiers se cherchaient. Mon Dieu, la femme la saigne beaucoup, elle risque de mourir. Je les regarde, j'ai dit je ne mourrai pas. Il faut appeler le médecin. Le médecin était déjà parti, ils sont allés le chercher. Quand il arrive, oh, oh, madame, oh, elle a perdu beaucoup de sang, elle va mourir. J'ai dit, docteur, je ne vais pas mourir. La loi de la transformation. Jésus a changé l'eau en vin. Tout ce qui est négatif qui venait à mes oreilles, je transformais ça en bien pour ma vie. Et ils ont fait le pansement compressé, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils ont essayé de suturer, ils ont déchiré les habits que j'avais pour libérer le bras. C'était la pâte. En fait, ce qu'ils avaient prévu, c'était de me rendre en pâte. On ne pouvait me reconnaître que certainement à cause des habits que j'avais. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Il a dit, touche seulement un peu. Ça là, c'est ma gloire. Je suis la gloire de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Et je suis dans la joie d'être avec vous. En fait, je me rends compte que Dieu aurait pu me garder comme ça là depuis la naissance. Parce que ça me donne... Alléluia. Ça me donne une autre image. L'élégance du royaume des cieux. Hey, Nibona. Aya. Ha. Ha, vous blaguez, hein? La fille de Jésus-Christ? Non, ce n'est pas le moment. Alors, on m'a mis dans une salle d'hospitalisation et j'ai continué à saigner. Maman Dada s'inquiétait. Mon Dieu, elle saigne. Elle part rappeler les médecins, les infirmières, celle qui dormait. Elle dit, mon Dieu, vous voyez, elle saigne. Elle fait comment? J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Mon sang là, qui coule là, Jésus va remplacer ça. Et Jésus a remplacé mon sang. Je suis allée au bloc 3 fois. Je n'ai pas été transfusée. Je n'ai pas été transfusée. Parce que quand je regardais mon sang au sol, sur le lit, sur le matelas, je disais, Seigneur, tu as vu mon sang là? Je ne veux pas recevoir le sang d'un être humain dans ma vie. Je ne veux que ton sang dans mon corps là. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors, j'ai été évacuée, hélico presto, le lendemain matin à l'hôpital militaire. Lorsque j'arrive, tout le monde était en émoi. Oh Dieu, tu es bon. J'ai vu toute ma famille. Toute ma famille était autour de moi. Quel amour! Alléluia. Toute ma famille. C'est pour toute ma famille que Jésus m'a ramené à la vie. Toute ma famille était debout. Toute ma famille a brisé les barrières. Toute ma famille est venue en pleurs. Et quand ils arrivaient, je leur disais, personne n'est mort. Ne pleurez pas. C'est lui qui est vivant. Moi, je suis en vie. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? N'êtes pas vous content. N'êtes pas, pourquoi vous n'êtes pas content de me voir? D'autres venaient. Pourquoi toi? Je dis parce que c'est moi. Parce qu'il fallait que ce soit moi. C'était pas facile. Je les comprenais. Mais il fallait aussi que je les arrête pour ne pas donner gloire à quelqu'un d'autre. Je leur disais, rendez gloire à Jésus. Beaucoup ont dit, on va chercher. Il faut que Dieu parle. J'ai dit, vous voulez que Dieu vous dise quoi? Il a déjà dit. Puisque j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la tranquillité. Même les médecins ne me comprenaient pas. Oui, les médecins ne me comprenaient pas. Un de mes aînés est médecin.
Quand il arrivait, il me regarde. Il me dit, les médecins me disent, on ne comprend pas ta petite sœur. Est-ce qu'elle réalise ce qu'elle a vécu? Lui aussi, il leur dit, nous aussi dans la famille, on a peur. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Je vous réserve la joie. Je vous réserve la paix. Et recevez la restauration, ma famille. Il a dit, je ne la comprends pas non plus. Certainement, elle est en train de délirer. Elle ne réalise pas ce qu'elle est en train de vivre. Je lui ai dit, mon grand frère, je ne délire pas. C'est parce que tu ne connais pas le Jésus que je chante. Parce que si tu le connaissais, tu allais être zen. Parce que dès que je suis arrivée à l'hôpital, il y avait du monde. L'homme de Dieu, qui est mon aîné, est rentré. Les infirmières l'ont chassé. Oh non, 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 ce ne sont pas les visites. Il a dit non. Moi, je rentre, je vais toucher ma petite sœur. Il est venu avec le sourire. Je l'ai reçu avec le sourire. Alléluia! 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 Et là, il avait compris que j'étais victorieuse. Il a touché le bras. Il a mis la main au front. Il a dit, ne crains rien. J'ai dit, oui, Yaya. Mon Dieu est à côté de moi. Il a prié. Il a murmuré deux mots à son ami. Et il est reparti. Et je suis restée. Le lendemain matin, je suis allée au bloc. Au bloc, je suis revenue. Toutes les personnes qui passaient par le bloc revenaient vraiment folle. Mais moi, je rentrais au bloc, je revenais. Quand je me réveille, j'ai le sourire. On m'a, puisque tout ça là, la chair était partie. Je suis repartie au bloc la troisième fois. On a fait la greffe pour réparer là où la chair était partie. Là-bas, il a voulu encore essayer. Hey! Il ne savait pas que je portais déjà la marque. La marque de la victoire. La marque de la résurrection. Pendant que j'étais en salle d'éveil, j'entends une voix. Venez chercher votre sœur. Je suis dans la salle d'éveil. Donc, un peu, je vois mes deux aînées. Mes deux défuntes aînées. Elles arrivent toutes habillées en blanc. Elles me regardent, elles disent non. Elles appellent mon aînée qui est là assise, Yalidi, tu peux t'élever. Donc j'ai vu la peinte Yaviki et Yavirginie. Elles m'ont regardé parce qu'une voix leur disait, prenez vos sœurs. Elles sont arrivées toutes en blanc. Elles m'ont regardé, elles ont dit non. Elles ont appelé Yalidi et Ginette, ma cadette. Elle est dans la salle, si tu peux te lever. Elles ont dit, Lydie, Ginette, prenez-la. C'est comme ça qu'elles ont couru. J'étais en salle d'éveil. Elles sont venues me chercher. Elles m'ont mise à côté. Et je suis restée là. Je suis restée presque 1h30 en salle d'éveil. Après, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais là. Et une infirmière a dit, mais oh, il y a la malade d'ortho qui est là depuis. Pourquoi on ne la ramène pas dans sa salle? Et on m'a ramenée. Après, je me suis rendormie légèrement. Je les ai revues, mes deux défuntes grandes sœurs. Elles sont venues, elles m'ont regardée, elles ont dit, tu es bien ici. Tu es bien ici. Ce n'était pas le moment qu'on t'amène. Toi, tu es bien ici. Je me suis retournée encore, puisque je ne dormais que sur le dos. J'ai fait la tête comme ça. Et puis, j'ai commencé à sourire dans le sommeil. Je me suis retournée. Elles ont encore dit, tu es bien ici. Et puis, je me suis réveillée en blâmant ma petite sœur. Que vous m'avez laissé trop dans le froid. Vous m'avez laissé trop dans le froid. Hein?
Il y a Vicky, il y a Virginie, était là. On leur a dit de me prendre. Vous vous êtes restés. Si elle ne vous avait pas appelé, je devais être où? Et puis elle m'a calmé. Elle a compris que je sortais de l'anesthésie et d'un rêve. Et après, j'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai dit, oh, mais tu as menti. Tu as menti. Tu voulais me récupérer dans la salle d'opération. Mais mon Dieu n'a pas permis. Alors, j'ai continué. J'avais des fractures. Vraiment, tout le bras était fracturé. L'épaule déboîtée. Et puis, j'ai suivi le traitement. Le temps de sortir est arrivé. Les médecins ont dit, tu vas revenir faire souvent les pansements. Et après la guérison de la greffe, tu reviendras pour qu'on puisse opérer, voir comment suturer les fractures, soit mettre un fer. J'ai dit non, je ne veux plus passer par le bloc. Ils m'ont dit comment? J'ai dit je ne veux plus. J'ai un Dieu qui opère. Mon bras là, c'est lui-même qui va opérer désormais. Et j'ai continué à faire les pansements. Je partais à l'hôpital. Je partais. Je faisais les radios. Non? Je faisais. Et je priais. Je dis, Seigneur, mon bras haut, tu as dit à Ézéchiel que parle sur les ossements desséchés. Tu lui as posé la question, est-ce que ces os-là peuvent s'affermir? Il a dit, toi-même, tu sais. Donc, toi-même, tu sais où? Mon bras là, c'est pour toi. C'est pour ta gloire. Et je faisais des radios. Un jour, un médecin m'a fait peur. Oh, maman, si vous avez encore mal, vous serez obligé de passer par l'eau. J'ai dit non, je ne passerai plus jamais par le bloc. Et la dernière radio, il y a 3 semaines, quand je pars, le médecin me regarde. Il me dit, toi, tu es un cas spécial. Parce que tu nous as tellement fait du bien. Tu ne nous as pas donné beaucoup de problèmes. Tes os se sont reconstitués. Tes os se sont reconstitués. Tes os se sont reconstitués. Sans passer par le bistouri. Je suis un miracle. Je suis un miracle de Dieu. Et pendant ces moments, je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner? Après tout ce que tu es en train de faire pour moi là, je te donne quoi? J'ai regardé le port mol. Je dis, même si je te donne tous les conteneurs qui sont au port mol là, ça ne suffit pas? Même si je te donne le monde entier, c'est toi qui l'as créé. Et un jour, une servante de l'Éternel est venue me rendre visite. Et on a prié. Elle a seulement dit, tous les mots des hommes ne peuvent te dire merci. J'entends une voix qui me dit, tu as entendu? Quand elle a fini la prière, je lui dis, ah, ma petite sœur, je viens de recevoir un cantique par l'introduction de ta prière. Et j'ai commencé à chanter. Elle me dit, oh, elle dit gloire à Dieu. Et je voudrais demander au technicien s'il peut me mettre ce chant. Je viens de le mettre sur support. Il y a un maxi single qui est déjà disponible. Alléluia. Montez le son. Tous les mots des hommes ne suffisent pas pour te dire merci. Si je fouillais le dictionnaire, Malou, bise, bien, est-ce que tu peux
Répondre Maloumi. Seigneur, toutes les actions de ma famille ne suffisent pas pour te glorifier. Qu'est-ce que l'on pourra te donner que toi tu ne possèdes pas, Maloumi, 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 mais Maloumi. Seigneur, tu as donné ce bras et tu as repris. Que ton nom soit loué, que ton nom soit publié dans le monde entier. Seigneur, voici ma vie, cette vie que tu as sauvée. Cette vie que tu as épargnée, cette vie-là, c'est mon offrande. Accepte-la, Seigneur. Cette vie-là, c'est mon offrande. Mon offrande, c'est ma vie. Mon offrande, c'est ma vie. Mon offrande, c'est ma vie. Aïe, aïe, Alléluia. Oui, mon offrande, c'est ma vie. Cette vie que Jésus a épargnée, c'est mon offrande. Il m'a dit, donne-moi ta famille. J'ai dit, les gens qui sont en haut là, je vais commencer comme en haut pour leur dire que Jésus a dit que je vous donne en offrande. Il a dit, donne-moi ta famille. Et ta vie. Et dimanche 8, mon grand frère, qui est le pasteur de cette assemblée, m'a dit, tu as un grand rôle à jouer. Nous n'étions pas ensemble quand je discutais avec mon ami fidèle. Parce que lorsque nous étions au bureau là-bas, c'est ce qu'il m'avait répété avec autre parole. Que tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est nous offrir, nous, la famille, en sacrifice vivant. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Alléluia. Et ce soir, je voudrais m'adresser à toi, qui a un handicap physique. Tu es certainement gêné de te retrouver devant les gens. Tu es gêné, tu te dis que ta vie est finie parce que tu n'as plus de bras, parce que tu n'as plus un œil, parce que tu n'as plus un pied, parce que tu es paralysé. Non, bien-aimé, ta vie n'est pas finie. Parce que pendant que j'étais à l'hôpital, pour m'éprouver sa grandeur et son amour, Dieu a amené une jeune femme
la trentaine révolue, qui avait été victime d'un accident de circulation 2 semaines après mon hospitalisation. Après mon hospitalisation, 2 semaines après, je devais me relever parce que j'avais les sondes, les perfusions. Je ne marchais pas. Je ne me levais pas, je ne m'asseyais pas. Et lorsqu'on m'a enlevé les sondes et les perfusions, les infirmières m'apprenaient à marcher, à être un peu stable pour que je ne sois pas dans les vapes, les vertiges. Et j'ai commencé à me balader, je suis allée jusqu'au comptoir des infirmières. Je ne sais pas si le docteur Diawara est arrivé parce que je lui avais demandé de venir, les autres étaient d'astreinte. J'ai croisé le docteur Diawara qui m'a dit, « Oh, maman, c'est bien comme tu es là. On t'apporte quelqu'un. » Je dis, « Hein? » « Oui, on va t'apporter quelqu'un que tu vas coacher. » Elle aussi, elle vient d'être victime d'un accident, mais elle refuse d'être dans cette situation. Après, le médecin qui m'a opéré, le docteur Robian, il est arrivé. Il me dit, « Ah, madame, vous êtes là. On vous amène une personne. Elle sera dans votre salle. Vous allez lui donner ce que vous avez. » Et une autre infirmière qui écoutait la conversation, elle a dit, « Oh, maman est déjà la major du service. » Parce que des fois, je me levais, je rendais visite aux autres, je les encourageais, je leur disais que Jésus est bon, que Jésus est celui-là qui donne la vie. Ne vous inquiétez pas, nous allons tous sortir de cet hôpital sur nos 2 pieds. Et c'est comme ça que cette jeune femme est arrivée. Vraiment, elle était tourmentée, déstabilisée. Et on la regardait, ma cadette et moi. Et je priais pour elle. Dès qu'elle s'est réveillée, elle s'est tranquillisée, je me suis rapprochée d'elle. Je lui ai dit, Barbara, elle m'a regardée. J'ai dit, tu me vois, moi aussi. Je n'ai plus de bras gauche comme toi. Mais je voudrais t'encourager à tenir bon. Parce que ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de bras gauche que tout est fini pour toi. Au contraire, nous devons posséder le monde. Parce que Dieu nous a épargnés. Le monde est entre nos mains. Si la mort n'a pas pu, ce ne sont pas les regards des hommes qui doivent nous tuer. C'est ça le danger. Et nous avons vécu comme ça là pendant 3 semaines. Je priais le matin avec tout le monde. J'étais devenue vraiment pasteur, évangéliste, prophète. Le matin, 5h, je réveille tout le monde, on prie. Le soir, on prie. La journée, on prie, on s'exhortait et on est venu. Après, les parents ont décidé qu'il fallait que j'aille dans une salle VIP. Ha! J'ai dit qui? Moi, je suis VIP avec Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller dans une salle VIP. Oh, mais madame, les parents ont dit... J'ai dit, je ne suis pas venu ici là au nom des parents. C'est Jésus qui m'a amené ici. Jésus et moi, nous sommes VIP dans cette salle de 4 patients. Et les autres malades ont commencé à bouder. Ah non, 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 il ne faut pas l'amener là-bas. Nous, on est bien ici avec elle. Non, 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 pourquoi vous voulez l'amener? J'ai dit, calmez-vous les mamans, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Le major est revenu. Madame Francisca, on a dit que vous avez refusé. J'ai dit, si vous insistez, je vais crier que vous... On veut m'achever. Oh, elle est seulement repartie. Oh, celle-là... Et c'est comme ça que je suis restée. Et j'ai entendu une voix, « C'est pas fini pour toi, ma fille. Je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui ai le dernier mot sur ta vie. Ils ont touché à ton corps, mais ton âme m'appartient. » Ils avaient touché à Job parce que j'y avais permis, mais ton âme m'appartient. Ce soir, je vais te dire que ce n'est pas fini pour toi.
Certainement, tu as aussi une infirmité interne. C'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse, bien-aimée. Jésus est le seul Seigneur qui peut guérir ton infirmité. Parce qu'il a dit déchargez sur lui. Il a dit déchargez-vous sur moi tous vos fardeaux, vos soucis et vos infirmités. Et c'est ce que j'ai fait. Un jour, Apia, Jessica, c'est une des infirmières, elle me faisait le pansement parce que c'était brûlant. Donc, quand elle met le produit, je crie ah, ah, Adonai, Adonai a pris ma douleur. Adonai, 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 quand je crie, c'est toi qui crie. Adonai a pris ma douleur. Donc, chaque fois qu'on me mettait le pansement, quand je crie, c'est un chant qui arrive. Et je ne ressentais plus la douleur. Je ne ressentais plus la douleur. Une autre, quand elle arrive, quand elle attrape, je dis, ah, ma fille, fais doucement. Elle me dit, maman, qu'est-ce que tu aimes faire? Je dis, j'aime chanter. Elle dit, alors, chante un chant pendant que je suis en train de te faire le pansement. Et j'étais là, je chantais. Adonai a pris ma douleur. Adonai, Adonai, je t'aime, tu le sais. Adonai, Adonai a pris ma douleur. Hey Adonai, donne ta douleur à Adonai. Donne ta douleur à Jésus. Je ne sais pas là où tu as failli, qui te pointe du doigt. Donne ta douleur à Jésus. Donne ton infirmité à Jésus. Et laisse Jésus te posséder. Laisse Jésus te donner un nouveau corps. Laisse Jésus te donner un nouveau style de vie. J'ai un style de vie. Et désormais, vous verrez un nouveau style d'habillement sur moi. Alléluia. Oui, il faut que j'impacte ceux-là qui ont une infirmité d'un bras gauche ou un bras droit. Les tailleurs sont là pour nous confectionner des modèles dignes de ce nom, dignes de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous allons écouter ce chant, c'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi, même si on vient te dire que voici ceci, fais la loi de la transformation. Prends ce qui est mal et transforme ça en bien dans ta vie. Et comme ça, tu auras de la hauteur. Tu prendras le dessus sur l'épreuve. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi, ma fille. Je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Ils ont touché à ton corps, mais ton âme appartient. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui ai le mot de fin. Oh, 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 oh. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi, mon frère. Je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui ai le dernier mot. Oui, c'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour tes enfants. C'est pas fini pour ta famille. C'est pas fini pour ton mariage. Oui. Ils ont touché à Job parce que j'y avais permis. Son âme m'appartient, c'est moi qui ai le dernier mot.
Il a le dernier mot sur ta vie. Il a le dernier mot sur ta situation. Ne t'inquiète plus, bien-aimé. Je ne sais pas la situation qui t'accable. Ce soir, Jésus te dit, c'est pas fini. Alors, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus pour ta famille. Pour tes enfants et pour ton avenir et pour ta vie, et Seigneur, qu'il est dans ce monde difficile. Jésus est le seul Seigneur qu'il te faut dans ce monde difficile. Si tu ne t'accroches pas à lui, qu'il te faut dans ce monde difficile. Alors, pour terminer, vous avez tellement pleuré, vous avez prié, vous vous êtes posé des questions, est-ce qu'elle va survivre? Oui. Je suis là et je serai là avec vous pour un ministère illimité avec Jésus. Si vous avez pleuré, c'est par amour. Si vous vous êtes lamenté, c'est par amour. Mais j'ai une seule chose à vous demander. Venez, rentrons dans cette maison qui est Jésus-Christ. Là où le vent souffle, la tempête souffle, la maison résiste. Alléluia. Oh ya yo, oh ya ya me, oh ya ya, ayo ya yo yo yo, oh ya ya me ya ya, benga rame, aya inde ikuma we ya ya, ndewa bangu we ya ya, ndewa solo we. Aya shai muli ya ya ya, yoni zela we ya ya, oh ya ya me yo. Ayo ya yo ya yo, oh ya ya me ya ya, hey ya ya. Kabita ngase biye, namutema mumae, ya hola luve diye. Oh, yeah, 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 yeah,
ye aya ibe ba no be me mbe ba ngu be moyo aya ya me ilanganze bi ase bi ashimo me mutu shi sa move ibe nga ga me ilanganze bi merveilleux, une grâce particulière que de recevoir ce soir les anges de l'Éternel. Alléluia. Mes bien-aimés, soyez-en remerciés. L'Église internationale de Nazareth, par ma voix, vous dit merci à toutes pour avoir honoré de vos talents, cette soirée d'adoration et de louange. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce que les chantres de l'Éternel ont dit. J'ai retenu quelques paroles dont je voudrais relever quelques-unes de celles que j'ai retenues. Maryse, on l'appelait Maryse de Sion. Maintenant, on nous l'a arrachée. Elle porte maintenant le nom de son mari. Elle a commencé toute petite dans l'église qui m'a vu naître en Jésus-Christ. Je ne sais pas si maman a quand même fait le déplacement ce soir. Maman Ibuanga, je disais que j'ai retenu certaines paroles. Elle a dit une chose. Que ce qui compte dans les ministères, ce n'est pas le nombre de bâtons, mais c'est le bâton qui fleurit. Alléluia. Aaron sait de quoi je parle. Mon ami qui l'utilise puissamment, l'a toujours utilisé. Elle est parmi les premières chantres gospel du Gabon. Pour ne pas dire qu'elle est la première, elle chante avec son âge. Elle a commencé, elle avait, je crois, 12 ou 14 ans à l'église. Elle a grandi dans la chanson de l'Éternel. Elle était pratiquement vénérée en Martinique. On la connaît là-bas mieux que quiconque. Et le pasteur Isidore m'en avait fait le témoignage. Elle sait de quoi je parle. Ces cantiques étaient vendus là-bas comme des morceaux de pain. Mais n'y est pas encore arrivé. Certainement qu'elle va y arriver. Alléluia. Et partout ailleurs, je ne vous apprends rien. La chanson gabonaise utilisée par le Saint-Esprit a atteint les endroits où
Peut-être que le Gabon n'est même pas connu. Le Saint-Esprit valorise tellement sa voix. Alléluia. Je pensais qu'elle allait nous parler du bic. Mais elle réserve ça pour la prochaine. Et ensuite, sa sœur a parlé de la gloire de Dieu. Mais c'est fantastique. Ce sont les sommités de la chanson. Fantastique. Alléluia. D'autres ont été invités, mais vous ne savez, je ne vous apprends rien. Beaucoup sont ce qu'on appelle, mais vous connaissez la suite. Il y a beaucoup d'appelés, c'est vous qui le dites. Alléluia. On reçoit le serviteur de Dieu. Il vient, ok, il vient au moment de la fin, mais il a le même salaire que nous. Alléluia. La prophétesse Maman Sylvie s'est excusée. Elle est partie parce que demain, elle a un grand culte de consécration. Alléluia. Donc, vous voyez qu'au moment où je vous présente, arrive celui qu'on ne doit plus présenter, mais j'ai besoin de lui ici quand même pour que nous le saluions. Viens, ne t'en fais pas, viens. Alléluia. On va le saluer. C'est mon frère. C'est mon père. Ah, je comprends. Dis-le-leur. Dis-le-leur toi-même. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je présente mes excuses parce que j'étais en plein séminaire et je venais juste de terminer. J'ai même dû couper pour ne pas arriver au moment où vous êtes en train de sortir. Vraiment, de tout cœur, que Dieu vous bénisse et félicitations encore dans nos cœurs. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Merci en même temps, mon père. Pourquoi je dis en même temps mon père? Parce que ses mains se sont posées sur ma tête pour faire de moi le pasteur. Alléluia! Ils étaient nombreux ce jour. Ça, c'est une autre paire de manches très longues à détaler. Donc, nous ne sommes pas, vous le saurez peut-être, pour ceux qui sont encore... ceux qui ne savent pas encore de quoi je parlais tout à l'heure. Ils ont posé les mains sur moi. Alléluia. Ils étaient nombreux ce jour. Donc j'étais au niveau de la sommité là. Et maman Francisca est votre fruit. Elle a aussi enfanté ici. Ça. Mais toi, tu as parlé de, pas de remplaçants, hein, c'est des successeurs. Ah, alléluia. Elle a parlé de successeurs. Je ne vais pas déroger à la règle. Les remplaçants, des fois, ne savent pas s'ils peuvent remplacer quelqu'un. Mais les successeurs, elle a dit, les successeurs sont soumis à l'autorité. Et celui qui n'est pas soumis à l'autorité n'est pas une autorité. N'est-ce pas? Vous savez de quoi elle parle. Alléluia. Nous savons tous quelle est l'autorité à laquelle nous nous soumettons, non? Vous savez ou vous ne savez pas? Vous savez, non? Nous ne pouvons nous soumettre qu'à une autorité, n'est-ce pas? C'est l'autorité qui les utilise. Alléluia. Les autres autorités, si elles ne sont pas rangées là-dedans, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes les enfants de Christ, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je suis riche, maman.
Elle l'a dit. Ce n'est pas la tête. Mais c'est quand l'enfant sort du ventre. C'est une maman qui parle. Et les enfants qui sortent du ventre ne peuvent jamais un jour dire à leur maman, je ne suis jamais passé par toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Maman Francisca, je te l'ai dit l'autre jour, le jour que tu as commencé ton témoignage. Il faut suivre. Son âge là, elle n'a jamais varié. Elle n'a jamais varié. Quand elle chante, quand elle ouvre la bouche, c'est toujours des enseignements qui sortent. Des enseignements. Elle ne transforme pas l'Njembe en louange. Elle ne transforme pas l'Njobi en louange. Mais elle puise dans la source intarissable. Alléluia. Elle a dit quelque chose très importante que beaucoup de pasteurs rêvent avoir des fidèles comme Francisca. Mais maman, c'est Paul qui l'a dit. Alléluia. Paul l'a dit. Vous aurez beaucoup d'enseignants. La suite, c'est un seul. Alléluia. C'est celui qui t'a engendré. Là, il n'y a pas encore d'acclamation. Peut-être parce qu'il y a beaucoup qui veulent changer de père ici. Maman, tu es bénie. Alléluia. Donc, maman, ça va exploser. Mais ne sois pas comme les premières personnes. Continue sur ce qu'elle a dit. Les deux autres là suivent la même chose. Mais je crois que le Gabon va être cette plaque tournante qu'il mérite. Alléluia. Amen. Tu as annoncé qu'il y avait déjà un maxi single. Est-ce que c'est là? Non. C'est où? Ah, ok, merci. Avant de vous parler de ça, je voudrais savoir, est-ce que ces parents que nous sommes, il y en a qui sont là ce soir, et il y en a qui ont entendu et qui veulent changer de vie? Je voudrais, avec les hommes de Dieu, prier ici pour eux, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je parle de ses frères, je parle de ses sœurs, je parle de mamans, de papas qui sont dans la salle. Il suffit seulement de lever la main. Je vais prier ici pour eux. Si vous êtes venu ici, c'est sûr que vous avez déjà accepté par principe. Mais ici, là, c'est pour maintenant vous abandonner à lui. Ah, tous sont des chrétiens nés de nouveau. Maman, donc ton travail est pratiquement... Alléluia. Ok. Parmi les invités, il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais voir la main ici. Oui? Yana, non, il ne faut pas hésiter. Oui, je vois une main. Quand même. Il y a une deuxième. Une deuxième. Une deuxième main là-bas. Ok, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a une troisième main? Vous savez, ce jour, quand elle allait au Cameroun, il y a une troisième main. On acclame Jésus. Elle ne savait pas qu'il y avait une autre rencontre qu'elle devait faire avec Jésus-Christ.
Mais c'est aujourd'hui que nous le découvrons. Certainement que tu es là, tu penses que tu l'as déjà rencontré, mais peut-être que tu ne l'as pas encore bien rencontré. Il y a déjà trois mains ici, et curieusement, c'est la même rangée. Mettez-vous aussi debout, ceux qui ont levé les mains. Ici, tout le monde est chrétien de nouveau. Ok. Avancez ici. Tu vas faire la prière de repentance avec eux et je prierai à la fin. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Sans rien à moi, je me jette à tes pieds. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Pardonne toutes mes fautes, mon ignorance, et prends ma main. Conduis-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte dans ma vie. Amen. Père, je voudrais te recommander ces deux personnes qui viennent de déclarer publiquement devant nous t'accueillir dans leur vie. Seigneur, ta servante a été épargnée du danger. Tu l'as sauvée pour témoigner de ta gloire. Et c'est par elle, Seigneur éternel, qu'elles viennent, ces deux personnes viennent de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous te les recommandons au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Dieu Tout-Puissant que cet engagement soit scellé au nom de Jésus-Christ. Qu'elles ne regrettent pas ce qu'elles viennent de faire. Mais Seigneur, que ça soit pour elles une motivation, une soif ardente de te connaître davantage. Ne les lâche pas, Seigneur. Garde-les. Que ta maison soit, ô Dieu de miséricorde, leur symbole de trouvaille. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, que celui qui a prié avec moi dise amen. Merci, mes bien-aimés. Alors, c'est l'offrande, mon offrande de tout à l'heure. Elle allait faire ça, je ne sais pas, son comité voulait faire ça à 5 000. Mais elle a voulu spécialement pour gratifier ton déplacement, te le faire à 3 000 juste pour l'aider à accomplir la tâche qu'elle avait déjà commencée. Si tu es dans la salle et tu voudras l'avoir ou l'offrir à quelqu'un d'autre, tu peux te lever. Avec 3 000, on te le donne. Si tu peux l'offrir même à d'autres personnes, il y en a encore. Ok. Il est toujours premier à... c'est 3 000. 2 à 10 000. Où est le trésorier? Ah, c'est la corbeille. Bon, le reverra a pris 2 à 10 000. Donc, il lui manque un. Nous ne sommes pas pressés, mais nous allons bientôt partir. Reste là, tu vas donner. Ne sois pas pressé de partir. Hein? Tu fais comment, maman? 2 à 10 000. Ah, tu veux prendre le CD? Donne-lui le deuxième. Non, touche pas là-bas. C'est là-bas. Maman.
Tu veux combien? Hein? Un CD. Non, 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 non. Je veux le trésorier, c'est celle-là. C'est toi la trésorière. Un CD change devant moi. Il ne faut pas. C'est 3 000, tu lui donnes 2 000 avec son CD. Maman prend combien? Un seul. Soyez bénis. Et maman, deux. Deux. Papa, un seul dé. Un. Attrape, attrape le CD. Un. Ok, on va aller rapidement. Ils arrivent. Maman Rose, vous dites quoi? On vous... Non, 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 mais Assa, tu sais bien faire la monnaie. Ne te trompe pas. Bon, laisse, 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 maman, laisse. Laisse. Papa, remplace la petite. Peut-être que la gloire de Dieu la peut. Maman prend 3. Non, 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 tu vois, tu, c'est pas ici où il faut jeter ça. C'est là-bas. Ah, ça c'est pour moi. Oh, merci ma fille. Tu as fait comment? Quand tu jettes 10 000 là-bas, tu as fait la monnaie. C'est bon? Tu as retourné la monnaie. Vous êtes à deux, hein? Mm-hmm. S'il te plaît, donne ça. Ok, on y va. Ne soyons pas pressés de partir. Qui veut encore? Mon offrande. Tu peux toi-même ne pas écouter et l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle offrande. Maman prend combien? Ah, c'est bon? Ok. N'hésite pas là, le côté là. Il y a quelqu'un qui hésite. On va bientôt terminer. Sinon, demain, ce ne sera pas vendu ici. Hein? Toi, c'est demain. Ok. Ça va? C'est bon? Ok, il faut donner maintenant à chaque... un CD à chacun. Là, un CD. Un, un. Tu es comment? Mais je t'ai dit comment? De donner à la personne qui a chanté. Tu lui donnes encore le CD. Donne-lui l'argent qui, pour qu'elle parte donner là-bas. Bon, ça ne fait rien. Comme Charles, j'ai fait comme ça. Combien? Un seul. Ouais. Viens donner ici. Ça fait combien? Vous êtes 10. Ah, d'accord. Le chantre. Si tu veux prendre la... Tu continues? Tu es avec moi, non? Alléluia. Mais peut-être que toi aussi tu veux me secourir. Donc, c'est bon. Ok, nous allons nous lever. C'est quand le prochain... Bon, nous sommes épargnés. Alléluia. Nous allons dire merci à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci.
Nous te disons merci parce que ce soir, tu t'es glorifié. Dans ta fidélité, tu as voulu nous montrer ton amour. Tu l'as démontré par la vie que tu as sauvée pour te glorifier, Seigneur éternel. Tu l'as arraché du danger. C'est plus simplement la parole écrite, mais c'est une parole vivante. Nous la vivons ce soir parce que nous voyons ta servante que tu as arraché du danger. Père, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire, toi qui as fait venir les porteuses, Seigneur éternel, de ce flambeau de louange et d'adoration pour t'élever dans ces lieux. Nous voulons te remercier encore, Seigneur, parce que tu as fait venir les hommes et les femmes à qui tu as chargé la responsabilité de conduire ton peuple dans notre pays. Bénis-les tous, Seigneur. Bénis tous ceux qui se sont déplacés pour t'honorer ce soir, pour te glorifier, pour t'élever, pour témoigner, ô Dieu de miséricorde, de ta grandeur, cette grandeur d'amour. Papa, nous ne pouvons pas partir d'ici sans te recommander notre chemin de retour, sans te recommander, Seigneur éternel, nos occupations qui vont suivre ces moments. Daigne être le glorieux Seigneur. Daigne être le magnifique Seigneur. Daigne être le fidèle ami véritable que nous avons toujours chanté. Seigneur, que dans chaque action, Seigneur, que dans chaque acte, dans chaque parole, que tu puisses te reconnaître afin que toute la gloire te soit rendue. Parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et que chacun dise Amen. Merci. Merci encore. Merci. Merci. La trésorière. C'est toi la trésorière. Tu me verras tout à l'heure. Merci et bon retour à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse tous. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Papa Ambroise. Merci à la chorale Lumière. Merci à Maman Berthe Zengue Manzela. Merci à Maman Rose Machard. Merci à Maman Francisca. Merci à Maman Bénédicte Wora. Merci à Maman Annie Foulou. Merci à Maman Marise Dessillon. Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse. À l'année prochaine. Au revoir.